Bonjour, papa. Non. Je ne t'ai pas entendu entrer. J'ai passé quelques minutes à discuter avec maman. Ferme la porte. Je voudrais qu'on parle de choses que ta mère n'a pas besoin d'entendre. Ta mère est une femme extraordinaire, tu sais. Et pourtant, elle a souffert. Durant toutes ces années où j'étais absent de la maison pour siéger au Congrès. Ça n'a pas dû être drôle. J'en suis conscient, crois-moi. Ça a été très dur pour toi aussi. Je suis sûr que ça lui briserait le cœur si elle découvrait ce qui est écrit dans ce rapport. J'en suis sûr. Parce que ça a brisé le mien. Si tu veux savoir la vérité, je pense que la cause que j'ai décidé de défendre est juste. J'ai l'impression que tout est ma faute. Que je t'ai laissé tomber. Mais si je te sors de ce mauvais pas, on pourra repartir sur de nouvelles bases. Tu as une solution. Je pourrais dire à la CIA que je savais qu'il y avait une taupe parmi les agents depuis 6 mois environ et que par conséquent j'avais pris la décision de mener ma propre enquête. Je suis sénateur. Et grâce aux fonctions que j'occupe, personne ne trouvera rien à redire. Tu ferais ça pour moi. Oui, bien sûr que je le ferai. Parce que je t'aime. J'avoue que c'est un plan astucieux que j'utiliserai sans doute. Toutefois, ça ne résout qu'un seul de mes problèmes. Lorraine, qu'est-ce que tu fais? Allez, à genoux. Voyons, tu ne vas pas faire ça. Mets-toi à genoux. Les mains derrière la tête. Tu fais ce que je te dis! Lorraine, par pitié, ne fais pas ça. Lorraine, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ce revolver. Sark se doutait que tu ne serais pas à la hauteur. Faites-les monter.